Top 5 des astuces pour reconnaître un mytho. Lorsqu'il évite la conversation. Quand vous n'arrivez pas à obtenir l'information que vous souhaitez d'une personne, et que cette dernière fait tout pour ne pas vous la donner, c'est évident qu'elle ment. Lorsqu'il détourne le regard. Lorsque vous posez une question à votre interlocuteur et qu'il regarde ailleurs avant de répondre, il est fort possible qu'il mente, c'est d'ailleurs l'un des gestes qui trahissent les menteurs. Lorsqu'il répond vaguement. C'est ce qu'on appelle le mensonge par omission, il consiste à ne révéler qu'une partie de la vérité et dissimuler l'autre qui risque de ne pas plaire. Lorsqu'il ne répond pas immédiatement. Inventer quelque chose prend du temps, quand la personne en face prend du temps pour répondre, cela signifie peut-être qu'elle essaie de vous manipuler ou de vous mentir. Lorsqu'il se perd dans des détails. Les personnes qui mentent ont souvent l'habitude de donner trop de détails, pour que leur dire soit crédible, toutefois, il arrive qu'ils se perdent dans leurs propres détails.